4h du matin. Et en fait, c'était le jour après que... C'était le même jour que j'étais juste... Ils avaient mis ma statue au Musée Grévin à Paris. Et je me suis regardé. Et j'ai pas exactement aimé ce que j'ai vu. Particulièrement là. Et là. Tous les endroits où on peut pas voir dans le miroir. Et quand on les voit pour la première fois, sincèrement, c'est un peu dépressionnant. Depressing. Déprimant. C'est moi le petit poisson. Et ils ont mis ma statue dans le Musée Grévin et j'étais un peu... Je sais pas, ça m'a laissé avec un drôle de sentiment. Alors, à 2h du matin, j'étais avec mon ami Dorian. On est parti à un petit bar très près de chez lui. Il était 3h, 4h. On s'est installé au bar. Et c'était un bar de nuit qui s'appelle le 82. C'est sur 82 rue des Martyrs. Et c'est un bar de nuit. Et comme la plupart des gens travaillent pendant toute la journée, ils y vont avant d'aller dormir à 5h du matin pour boire et pour oublier leur vie. Dans un sens, pour oublier la journée et pour se mettre un peu d'une bonne humeur. Exactement la même chose que moi je voulais faire ce soir-là. Et on a rencontré une fille qui s'appelait Karen. Et Karen nous a dit toute son histoire et le jour après, ça nous a vraiment impressionné. Moi et Dorian, on a écrit le reste de son histoire. On a imaginé quelque chose d'autre. Et voilà sa chanson. Il y a une seule chose. Comme je suis le seul ce soir, comme j'allais pas chanter cette chanson, mais je vais la chanter, dans le refrain, vous allez m'aider. Ok ? Karen a 20 ans, une car, elle n'a rien d'autre et le temps file déjà entre ses doigts. Accoudée au bar, rue des Martyrs, au 82, Karen fait son bilan. Elle voudrait une vie meilleure que ses frères et ses sœurs qui sont rentrés dans les rangs. Car une dit Paris c'est grand, qu'une autre ville attend. Elle dit qu'on l'achètera pas. Car une mise alors sur le rouge de Zilem, oui, elle bouge. Elle dit qu'elle vaut mieux que ça. Car elle s'en fout, elle est libre. Elle n'a pas d'argent, elle fume une trousse sur un petit lit blanc. Elle se dit qu'elle passera boire un verre au 82, mais elle mourra juste avant. Sur son vieux matelas pourri, ce généreux sort qui lui rentre dans les flancs. Car elle dit que la vie, c'est du bas, tout droit dans le